Bon, petite journée laverie pour nous, hein. C'est pas les plus belles journées, mais bon, bah, il faut y passer quand même, hein. Comme je vous ai dit, la machine dans le bus. Le temps est un peu gris, autant profiter. Voilà, le temps un peu grisonnant. Bon, il fait bon quand même, hein. Il fait 17, facile. Obélix est garé là-bas, vous le voyez, il est là-bas, au bout de mon doigt, sur le parking. Bon, c'est pas les meilleurs quartiers, mais bon, ça le fait, hein. Voilà, donc petite journée laverie. Bah, faut compter, hein. Là on va lâcher un bon 20-30 euros quoi. C'est normal parce que bah, en même temps on fait pas souvent non plus les laveries, donc du coup voilà, on fait un gros paquet d'un coup, on fait 3-4 machines. La machine qu'on a dans le bus, on la fait tourner de temps en temps comme je vous avais déjà expliqué, hein, mais c'est quand on a beaucoup de linge, c'est mieux de passer par des 16-18 kilos, ça va plus quoi. Donc voilà, petite journée laverie, bah, tout le monde fait ça au coin, plus personne sur le camp, tout le monde est sur les laveries, remplir en eau. Des petites contraintes des nomades, normal. Allez, bisous, à tout à l'heure. Viva España. Bon, voilà. Voilà comment on s'occupe à la laverie. Vas-y, Féa. Et colle plus. Plus fort, hein, plus fort. Vas-y, Jojo. Hey Jojo, tu vas pas? Plus fort. Toi, ça lui fait pas. Ça le fait pas. Vas-y, chérie. Tire ton masque. Enfin, le. Non, je crois qu'il faut que tu te mettes comme Liam. Mais non, mais c'est pas la tête. C'est la tête, là, tu vois, t'as l'image qui trompe, t'as l'impression d'être bourré. Ah merde. On voit pas que ça bouge au téléphone. Ah mais oui. Je pense que c'est le stabilisateur. Avec sa tête de Cro-Magnon, ça fait pour un film d'horreur. Bravo! Ah ouais, merci. Il nous faudrait un jongleur de feu avec ça. Refrain.
seulement l'oublier. Bon, aujourd'hui, petit départ pour les mines de Mazarone. Allez hop. Les mines de Mazarone, 5 km de marche, une petite promenade tranquille. On va dire au revoir aux Belges qui sont repassés nous faire un coucou. Ils étaient avec les vadrouilleurs, l'Ovicar, tout ça. Et puis du coup, bah, ils remontent vers la Belgique. Donc ils se sont arrêtés un petit peu nous faire un coucou. Et bah voilà, et là, ils repartent vers chez eux. Allez hop, pour nous, c'est la balade. On va faire Obélix Taxi, comme d'habitude. Le taxi commun pour tout le monde. Et c'est ça qui est bon. Allez, c'est parti. Voilà, nous voilà dans l'ancienne mine. Mine de minerais, apparemment. Bon là on est dans un espèce de, d'ancien bâtiment. Moi je vais monter moi. Et apparemment il y a un trou énorme. C'est où le trou? C'est là? Waouh! Bon alors là on voit même pas le fond. Ah ça me fait des guillemets aussi là. Mais pas réussi à voir le fond. Est-ce que le téléphone va réussir? Ah non. J'arrive pas à faire le point. Waouh, c'est violent. Il y a un autre puits, on va essayer de voir si on entend le bruit au fond de la pierre qui tombe. Ah, attends. SDF en dessous. À 3, on fait plus un bruit. 1, 2, 3. Oh là là. Eh, c'est là que t'entends. C'est là que t'entends. Aïe. Vache. Ouais. Alors là, on vient de faire un petit test avec, comment on appelle ça? La formule mathématique. Oh. La formule mathématique de la gravité, de l'accélération et ainsi de suite, de quelque chose qu'on lâche dans l'air. Et donc, a priori, il a mis 3,5 secondes pour faire l'impact au sol. Et donc, on a calculé à peu près dans les 60, 70... Combien que ça fait 3,5, t'as dit? 60 mètres. Le puits qui est là, il ferait à peu près 60 mètres de profondeur. Alors, je viens d'apprendre un truc super intéressant, par contre, que m'a appris Stéphane et puis Chou, qui m'a dit aussi. C'est, j'aurais halluciné, mais je savais pas. Honnêtement, vous allez peut-être me prendre pour un con. Mais si vous prenez un silex qui est très lourd, et un, par exemple avec une pierre en craie, vous voyez, genre du cyporex, quoi, une pierre craie légère. Comme ça. En fait, ils n'ont pas le même poids du tout. Et si vous les lâchez, qu'elles ont la même surface de résistance dans l'air, elles vont tomber pile au même moment. Moi, j'aurais cru que le silex tombait bien avant, avait l'impact au sol bien avant que la craie, quoi. Apparemment, c'est exactement pareil. C'est un truc de malade, ça. J'aurais jamais su. Tant que ça a la même résistance, la même surface de résistance à l'air. Bon, bah voilà, au moins on apprend des trucs. Vous voyez, ça, c'est important. La richesse sociale, des contacts et tout. On apprend des choses avec les gens. Et tout ça, on transmet aux enfants. Allez, bisous. Ouais, j'ai dit richesse sociale, c'est plutôt richesse culturelle. C'est plus de la culture, ça. Mais bon, voilà. Allez, bisous. Regardez un peu les couleurs différentes que ça donne. Je sais pas si ça rend au téléphone au niveau des couleurs, mais franchement, c'est assez original à voir, quoi. Allez, go, 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 go. Bon, là, il y a encore une descente de... Voilà, bah pour descendre, je sais pas quoi. Et regardez un peu, je sais pas si on... Oh là là, le téléphone, il fait même pas le point. Vous voyez le truc, on se rend pas compte la hauteur, je pense, d'ici. Franchement, c'est haut. C'est très haut. Ouais, doucement, toi, doucement, là. Là, avec le petit village abandonné, là-bas. Sympa. Attention, nous avons Indiana Jones Girl qui arrive. Indiana Chou. Attends, on va... Alors là, on a trouvé les sources chaudes de Mazarone. C'est bizarre. Fais-toi un masque. Fais-toi un masque du visage. Bon, Jojo vient de trouver la géocache. Fais voir, Jojo. Ah ah. Ouais. Alors, je répète, je le dis dans plein de vidéos, vous pouvez faire du géocaching partout en France, partout dans le monde. Il y a des applications exprès pour ça, c'est super sympa. C'est super ludique pour les enfants, ça les intéresse un peu la visite et au machin. Donc c'est cool. Bravo aux gens d'ailleurs qui créent les géocaches parce que c'est quand même un boulot à faire. Non,
Oh, il y a une clope. Eh, il y a une clope là, qui c'est qui fume? Attends, il y a une clope. 5 centimes. Voilà, donc les gens mettent des petits objets dans la boîte et puis après on écrit sur un petit cahier. On comment t'appelles, chérie? On quand tu t'écris là. On log. On log, voilà, on log. C'est leur carte de visite. Voilà. C'est quoi ça? Bon, on a trouvé notre future maison. Il y a une petite fenêtre, une petite porte, tout va bien. D'accord. On est à l'abri de l'eau. Nickel. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Ah bah d'accord. Les Gaulois. 23-12-2020. 29, pardon. Ouais, 29. Alors. Papa, va filmer dehors à la grille. Ah ouais, j'arrive. Et où Nanette? En fait, je pensais que... Ah, attends, pousse-toi, chérie. Je pensais que ça arrivait à la fenêtre qui est là, mais en fait, non, il y a un vide. Entre attends, eux, ils sont à une autre fenêtre. Ah, mon tel, il gère pas. Attends, là. Vas-y, j'appuie. Non, ça va pas le faire. Parce que là, moi, je les vois même pas, moi. Ah, ah oui, d'accord. Tu vois, fait bouger un peu. Bougez. Bah, on bouge, là. Bon, on voit rien, bon. Là, vous voyez, maman? Bon, il y a des endroits où les murs qui protègent les... Fais gaffe, Léa. Qui protègent les trous... sont pétés, donc faut faire attention. C'est super méga profond. Nous arrivons sur un très joli symbole masculin. Représentation de l'homme. En toute sa splendeur. C'est ça. Avec encore un petit bout de village là-bas, on va aller voir ça. Mais c'est carrément un village en fait le truc. On a partout. Voilà, suite des petits villages qu'on visite, tranquille ou la famille. Sympa, ces petits villages abandonnés. Je pense qu'on va s'installer, les gars. Ouais, c'est une ouais. Maison pour tout le monde. Là. C'est ça. On va taper le squat. En plus, là-bas, il y a un toboggan, là, juste, à... ouais. Juste avec une piscine au bout. Wouh ouais. Pouf. Regardez ce vieil eucalyptus mort. Cette visite, des fois on tombe sur des dessins bizarres. Les enfants qui regardent mes vidéos, ne regardez pas ce passage. Allez, allez, vous allez dans votre chambre. C'est quoi? Ah, c'est quoi? Alors, aidez-moi les gars. En fait, si tu préfères, c'est un X. Voilà. Ok? C'est marrant, au téléphone, les dessins ils rendent de ouf. Viens voir. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Viens. Ah ouais. T'as vu, ça fait pas... Ça rend bien. Hein. Ça rend trop bien au téléphone. Carrément. Mais tu sais que moi j'ai le même téléphone que toi et en fait du coup là derrière ma lentille elle est pétée en deux. Ah ouais. Et genre, ça je l'ai griffé derrière et en fait l'écran je l'ai changé deux fois et genre maintenant j'ai plus stabilisateur. Voilà, là on a le droit à l'ancienne chapelle, un truc comme ça. Il y a Agustina qui vous fait des bisous. Ouais, bisous Agustina. Bisous. Bisous. Voilà encore une petite vue différente du site. Oh, il y a un arbre tout vert, là. Je demande ce qu'il fout là, lui. Marrant. Donc, c'était vraiment un petit village, hein, quand même, assez balèze. Hein. Puis là, les gamins avec Chou, ils sont partis faire le tunnel, là. Voir monter tout ça dedans. Impeccable. Voilà, il reste des sortes de d'ascenseurs, on va dire. La plateforme qui est là, une sorte d'ascenseur qui descendait au fond du trou, là, pour aller dans les mines, au fond. Truc de dingue hein, quand même. On a trop envie de voir comment c'était au moment où ça fonctionnait, tout ça quoi. Un sacré truc hein. Bon là c'est les pigeons qui squattent. Bon on revient de là, enfin on revient, on est revenu de la balade de machin truc chouette. Voilà. De comment ça s'appelle, de la visite du... Les mines de Mazarone. Voilà, les mines de Mazarone. J'ai eu un comment ça s'appelle, un coup de barre de ouf là. Oh, je viens de me poser dans le lit, j'étais claqué. Bon, en même temps, on s'est couché à 4h du mat hier. Il s'est pas posé tout seul. Ouais. Je regarde. Vous voyez, fait une blague. Vous voyez les trois gonzesses qui sont là? Bah, elles ont pris une cartouche les trois. Oh là. Ouais. Je leur ai pas dit comme Et ça. J'étais encore pas fatigué. Hein. Je pouvais encore y aller, hein, Mélissa. Ah ouais. Regarde. Ouais. Oh là là. C'est quoi ce gâteau là? C'est quoi cette bouteille de lait? Ce gâteau, pardon. Bah hier il a gonflé, il est vainé. Hein.
Et les vagues gonflées. Bon, c'est pas ça que je voulais faire déjà. Et toi, arrête de faire ta tête de. Hein? C'est pour l'anniversaire d'Enzo, le gâteau. Bah oui, mais vous verrez ça demain, du coup, c'est ça? Ouais. Voilà, demain, à faire l'anniversaire d'Enzo. Ouais. Si tu veux, toi, Margoulin? Bon, alors attends, je vais aller voir dehors, il y a un chantier, du coup. Parce que là, maintenant, je me suis posé, mais il faut que je bouge mon cul. Il faut qu'on aille chercher des palettes. Pardon, ma chérie? T'es relou, là? Ah, mais je suis relou, je suis youtubeur, qu'est-ce que tu veux? Ah, oh, vas-y. Donc voilà. Et donc là, il y a un chantier qui se prépare. Alors, il y a notre pote qui nous ramène des fruits et légumes. Il nous a encore ramené des caisses, mais c'est un grand malade, lui. Donc, c'est super cool. Des pommes, des poivrons et des clémentines encore gratos. C'est un truc de ouf, ça. Franchement, génial. Bon, ben là-bas, il y a le chantier, amortisseur qui se met en route. Voilà, voilà. Et puis, nous, on va aller chercher de la palette. Ah, ben, on va attendre que le 4x4 soit réparé. On va le tester, on va en chercher les palettes, comme ça. Bon. Non, toi, nous, tu fais pas de la merde. Hein, non, galère. Sérieux, à cause de quoi? Ah. Alors là, celui-là, ils ont changé les avant. Voilà, celui-là est tout neuf. Apparemment, ils ont fait en quart d'heure, 10 minutes. Je suis youtubeur, s'il vous plaît, vous permettez là? Tu as des gros. Oui, j'ai des gros. Oui. Oui, oui. Pas des. Voilà, des. Un gros comme ça, toi. Chandelle? Ouais. Non, j'en ai un, mais un petit. Oh merde. T'as dévissé le haut du cri. Mais non, le haut. T'as dévissé le haut du cri. Mais oui. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais je voulais mettre mes cales, je préfère l'avoir sur cale que le dévisser. Ah oui, mais là t'aurais pu dévisser. Mais oui, mais non, mais tu peux dévisser en haut. Ouais, ouais. Tu gagnes 5 cm facile. Attends, faut que je filme ça, attends. Puis la froid, toi, nous, on fait ça demain. Le réparateur de. Ah bon, je sais pas, je crois que tu te rends. Le réparateur de. En fait, j'ai pas fini avec la portable. Juste un tout petit truc. Ouais, parce que toi, faut que tu t'occupes de ta chaîne. Puis il faut que j'aille changer tes. Comment ça s'appelle là? Tes commentaires masqués, je sais pas quoi. Oh là, je vais mettre un pull là. Il y a du soleil, mais il y a un petit vent caillou. Bon, allez, bisous. Ils en sont où avec leurs amortisseurs? Non, c'est pas moi ça. C'est à Léa. Alors, ça y va ou ça y va pas? Putain, mais c'est trop rapide en fait. Ah ouais. Ah ouais, tout neuf là-bas. Ouais. Là-bas. Monsieur le voir. Il est où? Il est là. Voilà. Tout neuf. C'est parti pour le deuxième. Là. Ouais, je t'ai dit que je vais faire moi 10 minutes. Ouais. Alors c'est pas mal quand on dévisse la petite bite, hein. Non, je peux pas d'abord. Faut que je le monte une fois, je le pose sur le chargeur. Ah ouais. Je resserre. Ouais, des fois c'est galère. Bah ouais, les 4x4 ça monte haut. Ouais, c'est des battements. Ouais, ouais. Puis Dylan, je sais pas ce qu'il nous fait là. Hein? Ah, il a grandi le lit. Bah t'as qu'à pas être grand, c'est tout. Sinon on peut couper les jambes, ça va plus vite. La scie sauteuse elle est en route. Ah bah ouais, sans extension du lit. Oh bah pauvre Bully, regarde là l'autre là-haut. Bon ma mère. Pourquoi tu grognes? Elle est perchée là-haut là. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ouais, ça va faire bien. Bah ouais, pour passer des bonnes nuits. Tranquilo la famille. Impeccable. Ouais, pour renforcer, ouais. Oh, on se calme les cabots là. Oh, laisse-le, il est gentil. C'est un chien errant, lui, ou des gens en camion, on sait pas. Viens, Titi. Viens, mon Titi, viens. Viens. N'aie pas peur. Viens. Ben, viens. Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous, dans le bus des Gaulois, les deux plus beaux enfants du monde, qui s'appellent Elliot. Salut, Elliot. Tu vas bien? Tu veux dire bonjour aux abonnés du Gaulois, qui vont regarder la vidéo après? Ou pas? Non? Ah si, il a dit un petit coucou. Et Mélissa! Qu'est-ce qu'elle est jolie, Mélissa. Mélissa, est-ce que tu veux dire un petit bonjour aux abonnés du Gaulois? Mélissa est en train de me mettre un gros vent de ouf, de malade. Mélissa! Mélissa, les timides Mélissa. Bon ben c'est pas grave. Nous continuons tout de suite avec Elliot! Oui, oh, yes, salut Elliot. C'est le roi, le patron, c'est le patron Elliot. Alors Elliot, il est venu dans le bus pour se réchauffer. Voilà, parce que ça caille un peu dehors. Malgré le petit chaudron qui a été mis en place, tout de suite dehors là-bas, il y a tout le monde qui s'installe, qui commence à s'installer. Donc nous, bah, bientôt, nous allons rejoindre tout le monde autour du chaudron. Ah ouais, c'est vrai, Mélissa. Deuxième vent, bravo Mélissa. On a toujours dit, jamais 200. 200. 3!
Jamais 203, Mélissa. As-tu appris à compter un petit peu? 1. Ah bah non. 1. Ah ouais, mais après 1, c'est quoi? Tu sais, Mélissa? Non? 1. Ah, 10, 4. Bon, bah là, lui. Alors, c'est 1. Alors, c'est 1, 3, 4. Bon, bah. Va falloir bosser un peu quand même là. Bon, ils sont tout petits. Quel âge t'as déjà, Mélissa? 3 ans. 3 ans. Bah ouais, on va les laisser tranquilles. Est-ce que tu sais écrire ton prénom? Non. Non? Déjà, c'est beaucoup trop jeune. Oui, 3 ans, c'est la rentrée. Hein. Ah, bah ouais, mais je suis bête même. Ouais, ouais. Et toi, Elliot, je crois qu'il sait écrire son prénom. Ça commence par quel... Bah ouais, mais Elliot, il a 4 ans et demi, c'est ça? Ça commence par le I. Ouais. Alors, ouais, bon, juste... C'est presque ça. Le E. Après, tiens, regarde, viens voir, il y a les lettres, là. Attends, tiens, viens voir, sur le frigo. Ah non, il n'y a pas. Alors, regarde, ça commence, Elliot, ça commence par le E. Ça, c'est un E, ça, c'est un M. Ah merde, c'est un M, pardon. Oh. Bah, ça fait un E, comme ça, regarde. Alors, le... Voilà. Non, il n'y a pas des lettres. Là, c'est, ça commence ton prénom, d'accord? Ok? Non, moi, c'est pas ça. Toi, c'est pas oui, ça, toi? Oui, parce que c'est un E, mais c'est pas un E comme ça. Hein. Ah, c'est un quoi, lui? Ah! Oui, c'est. Ça, ah, voilà. Il écrit en lettres bâton pour l'instant. D'accord. Le but, après, il y a le I. Ah, tu vois, elle a dit que c'était un E, Mélissa, quand même, elle connaît. Et? Voilà, tiens, regarde. Elia, il n'y a pas le T. Ah, il n'y a pas de T. Bon. Il manque le T. Il veut pas le mettre. Hein. Ouais, il veut pas le E, là. Il a décidé qu'il y avait pour le E. Et puis Mélissa, ben là, on n'aura jamais assez de place pour écrire Mélissa. Bon, allez, bref. Voilà. Bon, c'est le réveil, tranquillou, ça doit se voir à ma tronche. Pourtant, ça va, on n'a pas tardé hier. On est couché à minuit. Tranquille. Il y a Lily qui dort encore. Et on va aller voir là-bas, parce qu'on vient de recevoir un message. Vous savez ce qu'on fait, nous, sur Messenger, quand on est... Bah, plusieurs camions, 10, 15 camions, et ben on se met tous sur un groupe, on crée un groupe Messenger, avec tous comme ça, dès qu'on balance un message, par exemple un point GPS, un repère pour un spot ou quoi, et ben, je commence à vieillir moi, oh, la tête du matin, c'est pas bon. Et du coup, comme ça, ben, c'est plus pratique pour partager les choses. Et donc là, ben, Dia, ce matin, vient d'envoyer, parce que moi le matin, j'aime bien checker un peu mes messages, mes trucs, mes commentaires, répondre aux commentaires et tout. Et là, vient d'envoyer un truc, anniversaire de Enzo. Ce matin, c'est pancake party. Donc, on va aller manger pancake au chocolat. À la pâte à tartiner. Bon, Nutella, on peut le dire. Donc, on va aller bouffer les pancakes. Et puis, bah, c'est cool. Super. Ça commence bien dès le matin. Après, ça va être programme. Aujourd'hui. Waouh, on fait du programme. On va prendre la voiture d'Antoine. Enfin, quelqu'un va prendre ceux qui sont... Parce qu'il n'y a pas d'horaire chez nous. Et aller acheter des feux d'artifice à Carthagène. Obligé de se taper 40 bornes pour aller acheter des feux d'artifice. Donc on se cotise à tout le camp. Et on va essayer de se payer un bon feu d'artifice pour le premier de l'an. J'espère que ça va le faire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Atelier bouffe. Parce que le gars, vous avez vu, j'ai filmé, a ramené plein de légumes. Oh, il y a un camion qui passe. Donc on va se faire atelier cuisine aussi. Il y avait un autre truc. Ah, aller chercher avec le 4x4 de David, qui a ses amortisseurs tout neufs maintenant. On va aller chercher des palettes pour le feu, le soir. Allez, bisous, bisous. Bonne journée à tous. Pour nous, c'est grand soleil. J'essaie. Bah ouais, de toute façon, c'est grand soleil tous les jours. Bah non, pas tous les jours, mais quasiment. Voilà, aujourd'hui, c'est grand soleil, ici. Allez, des gros bisous à tout le monde. Bye bye, bonne journée. Donc voilà, j'ai inversé la caméra du téléphone et on va aller voir la pancake party. Hein? N'empêche que Sab, elle a pas traîné dans le lit. Hein. Pour aller à la pancake party. Hein. Allez, c'est parti. Hier, Dylan nous avait vu, hein, j'ai dû filmer, nous a fait une super sauce tomate. Bon, bref, on s'en fout. Il y en a qui dorment là-bas encore. Je vais voir s'il y en a encore qui dorment. Alors. Non, Liam est réveillé. Eh, hey, Malicia se réveille. Il y a une pancake party là-bas. Ouais? Ouais. Et Aminouche, qui se tape le squat. Aminouche! Bon, tranquille. Mais dis donc, vos chambres sont rangées, mais c'est quoi ce bordel? Ouais, Malicia. Eh, Malicia? Tu sais que la chambre de Liam est mieux rangée que la tienne. Non, mais regarde, la chambre de Liam est nickel. La tienne, une horreur. Mais pas du tout. Hein, pas du tout. C'est quoi ce tas de fringues, là?
Mais c'est pas un tas de fringues. Ah, vous voyez, heureusement qu'elle a une petite chambre. Hein. Parce que petite chambre, petit bordel, grande chambre, grand bordel. Au moins, c'est vite rangé. Donc tu vas me faire le plaisir de ranger ta chambre. Sinon, tu vas être puni de pancake. Ah là là. Il n'y a pas de ah là là. Bon, allez, on va aller voir la pancake party. Ah, ça me fait bizarre. J'ai oublié que j'ai changé le bus de place hier. Normalement, il était là. Ici, là. Parce que comme il y avait du vent pour le chaudron qui est là, du coup, j'ai mis le vent pour protéger... le bus pour protéger du vent. Donc, j'ai bougé le bus. Ça fait bizarre quand tu sors. J'ai l'impression que ta maison a bougé. Ah, je me suis mis là. Ça, en protéger du vent. Voilà, voilà, voilà. Le petit camp, le petit camp. Alors, voilà ce qui se passe ici. C'est ici la pancake party ? Il n'y a plus ? Il n'y a plus, t'as été trop loin. Ah, ça sent bon ! Ah, ça sent... Merde, putain, j'embarque le... Casse la gueule dans le rideau, là. Bon, c'est là la pancake party ? Ouais. Bon, bon anniversaire à Enzo, alors. Merci pour les pancakes. Hein. Waouh ! Et bon pancake. La pâte est faite d'hier, alors je peux te dire qu'elle a bien reposé. Hein. Ah, bah, écoute. Ah, ce ré, gars... Oui. Les... Allez, bisous, bisous à tous, bonne journée. Bisous. Qui fait votre racine ouais. Bon, Stéphane et Dylan sont revenus de Carthagène. Voili, voilou. Et ils ont trouvé, pour demain, le nouvel an, les pétards. Alors, ils ont trouvé, en fait, les pétards, les feux d'artifice. Je vous montre. Donc, en fait, ils ont acheté ça, je connaissais pas. C'est carrément des feux d'artifice tout prêts. Vous voyez, c'est des boîtes comme ça. Et tout est prêt, il y a juste à allumer des mèches, une mèche en haut. Et blablabla, là on voit, il y a des petits ronds. Ouais, on voit. Hop, les petits ronds, et ça va sortir. Bah, je pense qu'il faut retirer tout ça. Et bref, on verra comment ça fonctionne. Et il y a en tout 150, là il y a 100 feux d'artifice, et là 49. Donc il y a 150 feux d'artifice. On va se faire ça au bord de la plage là-bas. Comme ça, ça risquera rien. Et puis, bah voilà, histoire de se faire un super jour de l'an, quoi. La classe à Dallas. Vous verrez tout ça demain. Allez, bisous, bisous. Alors, petit tour du camp. Nous avons le droit à un cours d'accordéon. Ta main, tu vois. En fait, t'as un cachien qui a fait de l'accordéon. En fait, là, je te montre le dos. Tu sens, il est un creux. Ah, il n'est pas comme les autres, tu vois. Il est différent. Il joue trop bien, Seb. En fait, là, tu fais ça. Boum, ça, c'est un mineur. Ça, c'est un majeur. Allez, départ avec Toto pour le Super China. On va essayer de pour ma part. J'aime pas aller dans ces Super China, ça me saoule. Parce que bah, je trouve qu'on n'achète que des conneries à chaque fois. C'est un bouffe pognon. Et... Ah, bon, bref, c'est pas mon délire. Moi, j'y vais quasiment jamais. Ou sinon, j'y vais, mais je reste sur le parking. Et bah, ça va aller content parce qu'elle trouve plein de trucs pour ses attrape-rêves et tout ça. Et là, moi, j'y vais parce que je voudrais essayer de trouver. Si je trouve, je vous montrerai du coup. Des systèmes de feu pour faire comme les paella, tout ça. Comme ça, on peut faire la tambouille pour tout le camp en étant dehors. Parce qu'en fait, sinon, j'ai les petits carrés avec les petites bonbonnes de gaz, là, mais ça bouffe trop de gaz, ça va trop vite. Donc, je vais essayer de trouver ça, ça se branche direct sur la bouteille, et au moins, c'est mieux. Voilà, ben, vous verrez la suite. Je chède, épisode. Ça va, les deux camtareuses, là, les deux routardes, là. Oh, prends un petit couple. Visite. Ah. Je vis par là. Ouais. Un peu. D'accord, bon, ok, je vais filmer par là, du coup. Ouais, on s'en fout. Mais non. Non, mais c'est pas grave, tu t'en fous de ma vidéo, tu veux pas faire un couple avec ma femme. Bah si, t'en as dit qu'elle allait me foutre parce qu'elle a l'envie de GPS, il fallait pas. Ah. Elle m'a dit qu'elle allait me foutre à 14,8. Ah, à 14,8. Ouais, c'est bon tout ça. Toto, il roule bien, Toto hein. Bazar, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, voilà, donc du coup, inauguration de ma... De ma super gamelle, à faire une grosse gamelle, une grosse sauce tomate énorme avec des poivrons, bah tout ça gratuit en plus hein, que le gars nous ramène. Voilà, donc ça fonctionne bien, c'est du top de Dieu, c'est nickel. Impeccable, je suis bien content. On va pouvoir faire des bonnes tambouilles pour tout le camp. Et ça c'est cool, hein. Et en plus ça sent bon. En plus ça sent bon, c'est ça qui est bon. Avec un beau coucher de soleil. Bon, ça claque une sacrée gamelle. Hein. Je peux vous dire que là, il y a de quoi manger. Hein. Alors attention, ça rigole pas. Bon, on va laisser fondre tout ça, ça va être nickel. Et voilà pour l'anniversaire de Enzo, un gravity cake. Alors pour ceux qui connaissent pas, bon, vous avez compris le principe. Hein.
C'est comme si le sac d'M&M's était en train de se vider sur le gâteau. Voilà, voilà. Mais là, attends, on voit pas avec le fond. Ah, si, on voit avec le fond, c'est-à-dire. Mais non, on voit. Oh là, on voit très bien. Ouais. Ah ouais. Nickel. Super. Bravo les filles. Attention, nous avons un concert de Maestro Elliott. C'est de l'art abstrait. Ça gère, ça gère. Futur star. Vous voyez cette vidéo-là, quand Elliott aura 25 ou 30 ans, que ce sera une star mondiale, cette vidéo-là coûtera une fortune. Carte précieusement. Bah, va savoir. Va savoir. Bon, du coup, après ma grosse tambouille, on attaque. Romain, il nous attaque des petites boulettes de je sais pas quoi. Tu sais, ça me rappelle quoi? Le kefta. Ah oui, ça ressemble un peu. Quand, ouais, quand je faisais un grec, là, un kebab, quand je travaillais à Paris, quoi. Je faisais, des fois, je prenais kefta, les petites boulettes comme ça. Mais sauf que là, il n'y a pas de viande et c'est que du le reste. Ah oui, ben, on a déjà fait ça dans une vidéo. C'est que le reste de l'extracteur de jus. On va dire la pulpe, toute la pulpe sèche, ça. Là, que tu réhydrates par plein de trucs, quoi. Farine, huile, machin. D'épices. Voilà, voilà. Ouais, ouais, il on a besoin d'un mec qui fait de la boulette. Non, moi je suis avec mon jeune. Il faut faire la boulette, frère. Faire la boulette. Faut faire des boulettes. Dylan, il va faire la boulette. Boulette. La boulette. Il a fait une cette après-midi encore dans la machine. Bière, Dylan. Bah, d'ailleurs, vous savez pas qui c'est celui-là, mais c'est Juan. Juan. Qui est avec son vélo, je vous le présenterai demain ou un jour. Ou quelque... Voilà. Un jour. Donc voilà, il va y avoir la boulette, il y a toujours la tambouille. La tambouille qui cuit. La grosse tambouille. Et là-bas, il y a de la zik, il y a du feu. Il y a les belles âmes. Il y a Seb et son accordéon. C'est pas Guillou et... Et merci, parce que grâce à toi, j'aurais pas de droit d'auteur. On n'est pas sûr. Hein. Ouais, tu rigoles, mais des fois, ils reconnaissent la mélodie. Et du coup, ouais, ça peut le faire quand même. Oh, je fais de la merde. Oh, de la merde. Vas-y. Ouais. Avec le light painting. T'as le truc light painting? C'est quoi ça? Je connais pas. C'est une option sur les... Ah ouais? C'est une option. C'est un peu plus basse. Très très bon mon père. C'est vrai? Ouais. C'est cool. Limite un peut-être un petit peu plus saisi, tu sais, un peu plus. Ouais. Ouais, bah, c'est la première. Mais super bon quand même. Bravo la famille. Bravo les potos. C'est ça le secret, hein. L'amour. L'amour. L'amour mon père, l'amour. C'est beau l'amour. Avec un peu de bière. Ouais, c'est mon père. Voilà, j'ai quand même oublié de dire dans la vidéo que c'est des steaks végétaux. Franchement, crois-moi. C'est même, à l'image, c'est plus joli que les steaks de McDo. Regarde, à l'image, ça fait des steaks de fou, quoi. Grave. Oh là 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 là. Et puis au goût, bah, c'est une tuerie. Hein. Plein d'épices. Donc je répète, c'est fait avec les restes de l'extracteur de jus. Toute la pulpe, toute sèche là, que tu laisses mariner, un truc comme ça, ou ouais, même c'est pas. Ça, des épices, de la farine, de l'avoine, des graines de chia, des graines de lin pour absorber l'humidité. Voilà. Plein d'ail et d'oignons en poudre. Ah là 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 là. Tu vas avoir du succès là, hein, tu vas avoir du succès. Qu'est-ce qu'il a ramené, papy? Du gâteau? Ah. Et là, ça cuit toujours. Ça, qu'on appelle ça déjà? Ça réduit, voilà. Ça réduit. On aurait pu balancer encore plein de trucs là-dedans, franchement. Ouais, des précises, bon. Des flageolets. Ouais, bon, c'est à l'arrache, là. Hein. C'est, bah non, histoire c'est de... bien. Oh, c'est que bon. Du gratos, donné par notre... Ouais.
carrément. Et t'as vu qu'il a ramené encore une caisse de concombre? Ouais, une autre encore. Il nous ramène des tomates cerises si on aime bien. Et ben là, il y en a en plus un peu là. Voilà, il a ramené ça aussi, le gars là. Bon, c'est même pas pourquoi il nous ramène tout ça. Mais bon, c'est gentil. Bah, il y en a, en veux-tu, en voilà, des tomates. Pff. Franchement, on peut nourrir le camp gratos, quoi. C'est une tuerie. Hein. Ah, manette. Et mon Volto, comment il va, mon Volto? Ça, mon Volto? Oh, ouais, ça va mieux sa blessure, Volto. Bah, ouais, et puis, il n'y a plus que les marques de la vie, c'est tout. C'est comme ça la bagarre. Bah, ouais, excuse-moi, hein, t'as la marre du flash. Bon, bah, voilà la gamelle, une fois prête à manger. Hein, ça n'a pas l'air trop dégueu, tout ça. Absolument pas rentable. Les gars, clairement, c'est pas bien, tu vas pouvoir nous faire manger tous les soirs. Ouais, bah c'est ça, c'est le genre de gamelle qui me gêne pas à faire. Un truc en moins pour toi, très bien. Ça, c'est un truc à la bourrin, ça me gêne pas. Ça. Alors voilà l'anniversaire de Enzo. Ouais. Allez, premier coup. C'est un Gravity Cake. Un Gravity Cake. Joli, hein, c'est joli. C'est bien joli. On va faire des grandes tartes. Bon, je crois que le gâteau Gravity Cake a du succès. C'est qui va manger les M&M's? Les Madame M&M's aussi. Je crois qu'on va tous les manger. Tous taper dedans. Et madame, t'inquiète pas le quignon, moi je vais me prendre un quignon. Bon, prends ce que tu veux. Moi je dis ça, je suis un enfoiré parce qu'il y a plus de chocolat. Ouais, bah tant mieux, du coup. Il y a plus de chocolat, mais il n'y a pas beaucoup de gâteaux. De toute façon, à partir du moment où il n'y aura plus de cœur, il n'y aura que des quignons, ils vont bouffer les quignons. Moi je pense que je vais prendre un quignon aussi, du coup. Oh, merci. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les enfants? Ah, c'est cool ça. Elles viennent d'où, ces fraises? De la serre. De la serre? Mais non, n'importe quoi. Mais c'est un monsieur qui nous les donne. Oui, mais il n'y a pas de serre dans la fraise. Là. Pas de serre dans la fraise. Il n'y a pas de fraises dans les serres. Là. C'est que des tomates. Ouais, c'est notre poteau qui nous ramène plein de fruits et légumes, là. Qu'on connaît même pas. On sait pas trop pourquoi. Mais bon, il est super cool. Donc, du coup, il nous ramène plein de trucs. Bah, ça va être nickel pour la soirée hamburger Faritas. Il nous avait dit qu'il aimait bien les enfants. Du coup, des chocolats et tout. Non, bah c'est et cool. Ça va, non? Elle a le droit, non? T'as cru que c'était tes fraises, toi? Je mange pas, c'est ce qu'on va. J'en ai pris qu'une seule, ça va. T'as pas le droit à chou, c'est tout. Bon, petite corvée de patates pour le jour de l'an, la famille. Bon, on s'est mis à l'apéro, tranquillou, et plus les patates. Moi, je me suis déguisé en vieux punk à la retraite. Idiot les maîtres! Ouais! Tu beau ou pas? T'as le fait? On a épluché je sais pas combien de kilos de patates, franchement ça pèse loin. Oh, tout le machin rempli. Et maintenant on va falloir les couper en frites. Et ouais, c'est pas fini. Ça va Léa, pas trop dur? Ça doit aller là. Non, ça va. Allez, c'est parti. On va couper les patates maintenant pour faire de la bonne fritaille. Si, t'as un problème toi? Un problème toi? Mec, il essaie de s'habiller comme une racaille, là, n'importe quoi. Pas du tout, pas du tout. Chaîne en or qui brille. Allez, c'est parti pour faire de la bonne frite. Attention. Hop. Et c'est fait. Allez, on va remplir la bassine. C'est parti. La bonne fritaille. Bon, on vient de finir la corvée de frites, Gadia. Hein, franchement. Alors là, on a fait quoi? 30 kilos de frites? 20, non, 20, 20, 25? Ah, là, il y a l'eau. Bah, regarde, il y a tout ça quand même. Il y a tout ça, pas mal. Hein. C'est de la belle frite, les gars. C'est de la bonne, c'est de la bonne. Franchement, il y a un bon 25, 20 kilos, je crois. Ah, oui. 20 kilos de frites. Ouais, là, on va attaquer la mayo sauce algérienne. Ouais. Fait maison, bien sûr. Bah, oui. Regardez ça. Mais on fait tout fait maison, nous. Hein. Bah, ouais. Même les tatouages fait maison. Papa, c'est ça. Papa, ouais. De l'autre côté, là-bas. T'as de beaux yeux, tu sais.
T'as montré ta tronche. De l'autre côté là-bas. Ouais, j'ai montré. Il y a de l'autre côté là-bas. Oui, de l'autre côté là-bas, oui, en bas là-bas. Il y a un mec, il a mis des bâches et il y a un gros mur de son. Sérieux ? Ouais. Non. On va aller jeter un œil ce soir. Ah ouais, carrément. On va se transformer en Santa Fe. Oh, j'en ai vu une jolie, rien. Oui, il y en a qui ont fait une mission palette, mais franchement, ils ont peur de rien. Heureusement que c'était pas loin. Mais là, on n'a pas trouvé là où c'était. Carrément. Sur le toit du camion. En même temps, les chiens font pas des chats. Si là, Volto. Voilà, il y a de la palette pour ce soir. Pour le jour de l'an, attention au captard. Voli, voli. Oh là là. Un vélo derrière. Vous lui dites de dégager. Dégage. Derrière, viens là. Mais non, faut pas. Mais non, attends là. Elle est où? Elle est là, elle est sur le lit. Bon, il y en a partout de la palette. Oh là 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 là, mais vous êtes des oufs. Hein. Vous êtes des grands malades, hein. Ah, je te jure. Ouais. C'est pas grave. On prêtera l'aspirateur demain. Ouais, c'était peu la merde. Bon, il y en a qui ont installé quelques petits jeux pour les enfants, pour le jour de l'an. Alors, les adultes, en fait, ils sont autour du feu. Ils sont pas prêts pour les jeux encore. Ouais. Du coup, vous allez voir les petits jeux pour les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits jeux-là ? Alors, comment ça se passe ? Moi, je connais pas. Inverser, les... Ouais. Attends, il est... Pardon. Après, faut nous expliquer. Non. Il y a les petits fours qui commencent à arriver, hein, pour le jour de l'an, bien sûr. Top. Alors, on va commencer par un Pictionary. Mélie Jo commence. C'est pas Elliot. Pourquoi t'as un masque ? Pourquoi la masque ? Pour que ça soit plus compliqué vu qu'il fait à une main. Ah, ok. Alors Jojo doit faire un dessin avec la craie de la main gauche, c'est encore plus dur. Ouais, c'est lui qui a décidé. Ouais, pour que Lily, doit deviner le mot. C'est ça. Ah mince, c'est Lily qui doit deviner, merci. Non, c'est Et tout le monde, c'est tout le monde, pardon. Une bouteille, une grotte, une maison, une boîte. Non, ta main droite, mon loulou. Un robot. Un bol. Un robot. Il y a de la nourriture dedans. Ah. Une gamelle. Une casserole. Une marmite. Une friteuse. Un couvercle. Un couvercle, non ? Non, c'est des... Qui c'est qui a trouvé du coup ? Moi ! C'est Malicia qui a trouvé ! C'était un pot de yaourt ! C'est un pot de yaourt ! Bon. Pot de yaourt, il a des oreilles, on va croire un robot. Tout le monde va le faire, vous inquiétez pas. Alors, c'est au tour de. D'Eliott ? Ça ? Il est beau, ses petites lunettes, Eliott. On a la maman, la daronne qui est arrivée. Alors là, ça rigole pas. Recule-toi un petit peu. Elle est trop belle. Vous voyez l'ensemble ? J'adore la petite couronne sur le chien. Waouh, tout va. Beau. Tout va bien. Les gants et tout. Les petits gants. On va faire des trucs avec les gants, quoi. Oh punaise. Il manque plus, tu sais, la grande clope là, avec le porte-clope, là, tu sais, le truc, ouais. Mais t'avais pas l'éventail ? Ah oui. Ah oui. On a acheté l'éventail. Alors là, avec l'éventail, franchement, là, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, grave. Perfect. Trop belle. Bellissima. On va l'appeler Esmeralda. Moi, j'adore ses gants et la couronne, c'est fini. Esminadia. Esminadia. Ouais, grave. Vous savez, j'avais même pas vu l'éventail, je l'avais même pas sorti. Alors apparemment, il y a un nouveau jeu en route ici, qui est pas ça. Non, je vais essayer. C'est quoi ce jeu ? Faut tirer dessus et, parier sur la peluche qui va bouger, sinon tu... Ah, on se croit à la fête foraine. Non, mais c'est la duc. C'est ça. Allez, Nico. Alors, lequel tu veux ? Et sinon, t'as un gage, c'est ça ? Non, mais oui, t'as un gage, mais t'as des gages. Punaise. Alors, je veux dire qu'ici, on est... Attends, mais avant de tirer. Que c'est... Bah oui, c'est pas quand t'as tiré que tu dis. Ah ouais, bah oui. Et là, tu l'as fait ça. Allez, caca. Caca. Ah. Loupé ah, tout nu dans l'escalier. Allez, on est au même endroit. Ah, bah ouais. Tu sais, faut pas que les gens... Parce que sinon, les... Le but, c'est d'avoir les gages, quand même. Ouais. Sinon, on va pas se marrer, quoi. Oh, Fodès.
Oh my god. Mettre un vêtement à l'envers. Le caleçon. Ben non. La capote. Pardon. Les chaussures. Ouais. Allez. Ah, quoique il a une capuche, ça peut être. Ça va, c'est le gage cool quand même. Hein. T'es tombé sur un truc cool. Hein. Ah, l'envers comme ça. Tu vois, les Belges ne mangent pas pareil. Les Belges. Je pensais qu'il allait le mettre avec. Bah c'est à qui? Allez Alex. Alors, Alex va tenter la belette. Ouais, mais t'as quand même un gage. Non, t'as quand même un gage. Un gage, elle le donne. Ah oui. Elle prend un gage et elle donne à qui elle veut. Moi, je dirais, vu que c'est Chouchou qui a donné l'idée, c'est elle qui va se taper le gage. Ah non, t'aurais dû donner le gage sans le voir. Ah bah non. En plus, il faut être souple, alors j'ai envie de le donner à toi. C'est moi qui l'ai écrit. C'est gratté. Ouais, gratté. C'est juste bras avec son orteil. Oh, faudesse. Est-ce qu'on a le droit de prendre les orteils de quelqu'un d'autre? Oui, c'est bien. Ouais. Putain. On fait ça comme ça, en fait. C'est pour ça que t'en. Ah, Chouchou aussi, elle arrive. Ouais. Qui c'est qui va refaire la peluche? Sinon, il y a le gage de lécher son coude. Ah, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Arrête, Chouchou, arrête. Allez, vas-y. Dis avant. Comment Malicia s'est mis en mode bombasse. Ouais. Oh là là. Pompez-la, hein. Magnifique, Malicia est magnifique. Elle est magnifique. Un gage. Merci. Alors, c'est bien ma Mathieu, qu'est-ce qu'il y a, tu veux faire la. Oh non. C'est quoi? Embrasser un chien. Ah bah elle est pas là. Tu peux embrasser ton père, hein, c'est marqué punk à chien. Elle est où? Oh, prends n'importe quel chien. Tyson. Allez, Tyson, allez. Allez, Malice Tyson. Allez, il y a Matcha, là, il y a Matcha. Allez, un bisou, Matcha. Le gage trop dégueulasse à faire, hein, embrasser un chien. Oh, bah oui. Allez, Dia. Le caca. Attention, il y a mes sur le caca. Ah, le caca. Le caca, attention. Donc tu pioches un gage et tu le donnes à qui tu veux. Mais moi, je dirais, on donne le gage sans le lire, non? Bah oui, c'est bien. Non, faut le lire. Non, justement. Sinon tu choisis en fonction du gage. Non. Allez, Dia, un gage que tu donnes à qui tu veux. Il n'y a pas que les gens qui sont autour de la table, hein. Il y a d'autres gens. Hein. Non, tu le donnes sans le voir. Ben non. Ah bon? Bon. Ok. Ah, je crois qu'elle a trouvé quelqu'un pour ce gage-là. Du coup, elle cherche. Malicia, elle était là. Genre, t'es regardé ailleurs. C'est quoi le gage du coup? Enlever un vêtement. Oh! Alors je le remets en frais. 10 secondes. Avec son petit tatouage. Ah non, là ça va, mais quand. Si on dit essaye de choper la pomme. Et normalement, faut faire les yeux fermés. Allez,
Ah ouais? Ouais, je pense. Non, mais c'est bon. Ah, Romain. Allez, vas-y. Vous fumez exactement la même chose que Bruno, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Non, mais c'est normal, on est ensemble. T'es l'eau de la cuve. Là, mais mets la tête dans l'eau. Malicia. Appuie-lui sur la tête, là. Je ne pas sous l'eau. C'est chaud. Attends, j'ai dit qu'on allait. Mais vas-y, mets la tête dedans. Allez, Dia, Dia. Allez, Dia, Dia. Allez, Dia, Dia. Elle est en train de mourir. Mais Dia, Dia, coupe ta respiration quand tu vas dans l'eau. Allez, 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 coince-la, coince-la au fond. Bah, coince-la au fond. Coince-la au fond. Attrape une pneumonie. Tape dans le fond. Tape dans le fond, mon Dieu. Je suis pas ta mère. Allez, enfonce. Allez. Oui, là, là, là. Ah là là là. Je ne parle pas dedans. C'est pas dedans. Ah non. Allez. Allez. Mais ouais, c'est pas respiré. Il a attrapé une pneumonie. Ah, il veut dire que c'est bon. On t'a pas dit de lécher la pomme, hein. Oh là là. Attends, tu veux que je t'aide? Ouais. Tiens, tiens, tiens. Faut le faire avec l'eau chaude, hein. Respect, respect. Oui, vraiment. Parce que t'as 30 secondes. Ah, okay. Alors là, il faut découvrir en fait l'objet qui est dans le seau. Il y en a qui ont plus de points que d'autres. Ah non, triche. Ça, c'est un brocoli. Ouais. Et t'aurais dû dire fleuri. T'aurais dû dire fleuri normalement. Un demi point alors. Une boule de Noël. Ouais. Il va tout sortir. 10 secondes. Ouais, mais du coup, c'est là, vite. Moi, j'aurais mis des trucs plus un peu. Attends, Bruno, je vais aller chercher le god. Ouais, moi j'aurais mis des lames de rasoir. Des lames de rasoir, ça aurait été bien. Mais tu sais que il y avait un rasoir par terre, je me suis dit non, quand même. Ouais, lui, elle avait mis un couteau au début. Regardez comme elle est belle, Lily. Ce jeu là, c'est quoi ce jeu là? C'est le qui goûte. Le quoi? Ils vont goûter les yeux. Oh là 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 là. Ouais. Il y a aussi l'œuf et la cuillère comme derrière toi. Donc, il me semble qu'il y a du. Ah ouais. Pas sûr, ah. Il me semble qu'il y a du crapaud séché. Vas-y, Lili. Ah bah oui, il y a des. Allez, chouchou. Il me semble qu'il y a du crapaud séché. Tes yeux fermés. Ah, moi je mangerai pas ça à ta place. Oh, t'es malade. Oh là là. C'est pas de la viande. Ah. C'est pas de la viande. C'est très bon. Oh là là. Franchement, ce qu'ils t'ont mis dans la bouche. Ah, des petits oignons. Ouais. C'est pas des oignons. Non. C'est vrai que ça y ressemble. Ah, moi, je pensais que c'était des oignons. C'est pas dans le monde. C'est artichaut, genre en mode. C'était quoi comme chou? Du chou rouge. Du chou rouge. Lacto-fermenté. Ah. Qui l'a fait? Bah, attends, j'en fais goûter qu'un. Ah, oui. J'ai pas. Ah, je sais ce que c'est. C'est une salade où il y a du citron, de l'huile. Ah bah en fait c'était de l'huile, mais comme il y avait du citron avant. Ah. Oh joli, joli. Ah là, le palais fin. Ouais, c'est non, forcément, c'est ça, il faut changer les verres en fait. Voilà, la soirée continue, on va attaquer les frites avec la gamelle. On va faire chauffer l'huile. Alors moi quand j'ai un micro, c'est mieux que la gamelle. Pas de soucis, c'est en route. Dia-dia au micro. On a le droit, dia-dia au micro. Blessé. Big up, big up, big up. Ce soir, c'est le nouvel an pour la famille Nomade et le Gaulois. Oh, pour tout le monde. Big up yourself, big up, big up, big up, big up, big up, big up. Chop, 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 chop. Excellent. Ça mixe, ça mixe. Ça c'est bon. Il y a même une petite pêche à la ligne en route là-bas. Yes, les gars, family. Alors on commence à installer pour faire les tortillas, hamburgers. Les matières premières arrivent. Il y a tout ce qu'il faut. Ça va être bon tout ça. Miam, miam, miam.
Les gamelles de lentilles, un peu de tout, de la bonne frite. Ça commence à bouillir là-dedans. C'est ça qui est bon. Voilà, il y a encore tout ça à cuire, la plancha. Voilà. Attends. Ouais. Ça. Du poulet. Je vois pas trop, mais. Voilà, il y a plein de trucs à cuire. Et ici. Oh là, on voit pas, mais c'est pas grave, on verra tout à l'heure. Il nous reste une table. Il n'y a pas encore des tables. Là. Au bout. Alors là, ça ne rigole plus. Attention. Oh là. Une tuerie atomique. Magnifique. Allez mon David, il est chaud. Les frites s'avancent. Tranquille. Tiens vite, la planche, ta maman elle est en train de la ranger. Des petites compositions. Allez, un petit réveillon du jour de l'an qui s'annonce très bien. Il y a eu des jeux, on s'est amusé. Il y a du son. Avec le copain Camille, il y a du sang, toujours. C'est ça avec les potos. Il y a des pizzas, il y a tout ce qu'il faut. On y va. Big up. Il y a de la bouffe, mon père. On est là. Ça a l'air bon tout ça. Ça fume, ça cuit. Oh là là, les petits oignons. Mamma mia. La friteuse en route. Il va y avoir de la frite. T'en veux-tu, en voilà. Ça va être bon tout ça. Les petites hamburgers, les petites faritas. Il va y avoir tout ce qu'il faut. Il y a les poteaux là-bas. Encore une fois, des good vibes. Yes. Hello. Allez, Liam. Big up. Alors là, Dylan, il a assuré les faritas. Faudes, ça caraille. Bravo, Dylan. Bien joué, mon pote. Une tuerie atomique. Allez, un battle. Oh putain! Non. Mano! Ouais! Ouais, pousse tout le monde! Alors, nous allons faire une première expérience, faire goûter les frites françaises en Belge. Nous allons aller voir Juan. Juan! Nous avons besoin de Juan! Non! Hop. On veut un testeur belge avant. Juan, nous avons besoin d'un testeur belge pour tester les frites françaises. Avec la sauce algérienne faite maison, bien sûr. T'as pas intérêt à dire que c'est dégueulasse. Donc, comme. Moi aussi, je suis belge. Comme tu l'as vu, ça a été fait dans la tradition, avec plusieurs bains de cuisson, bien sûr. C'est pas, on sent que c'est de l'huile, c'est pas de la graisse animale. Nous font chier, ces belges, hein. Bien sûr, il y a des gens qui mangent pas de viande. Un deuxième belge. La vie d'un deuxième belge. Une belge. Ça, c'est les vraies avis, ça. Tu les as vidéo. La vie fait animale. Non, en vrai, elles sont très bien. Elles ont eu du mal à cuire. Hein, c'est incroyable, dis, franchement. Hein, c'est très bonne. Ah. C'est super bonne. Parce que. Merci.
c'est pas tout de faire des bonnes frites. La sauce. Donc moi j'ai envie de dire, les Français, arrêtons les blagues belges. Nous sommes, voilà. Moi j'ai envie de dire, le plateau il est un peu lourd quand même. Ah. Oh t'inquiète, on va te le prendre. Allez, allez, ah ben, allez. Voilà, débrouille-toi maintenant. Moi j'ai envie de dire, allez. Bonne nuit à vous. Moi je vais. J'ai un petit peu de sommeil, je vais aller dans ma tente. Merci bien. Allez, allez. Ouais, t'es dans la merde, t'es obligé de faire le tour maintenant. Je suis obligé de faire le tour. Madiadia, tu t'as un petit burger? Voilà, ça continue, hein, les frites, la viande, les nuggets. Oh là 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 là, c'est bon. Avec tout ça. Champignons. Oh ma fille. Oh Maëlie. Ouais, la grosse. Ouais, la grosse. Maëlie, on peut passer sur le bloc de la. Avec de la bonne frite. Mmh, la frite. Le whisky. Alors nous avons le droit à une petite pêche à la ligne de je ne sais pas qui. De Valentin. De Valentin. Il l'a ramassé sur la route. Ouais ouais, t'as l'air d'être. T'as bu ou t'as pas bu? Non, j'ai pas bu. En plus, il a pas bu en plus. C'est ça, il fallait boire. Ça. Ouais. Donnez-moi un verre alors. Il a même pas bu, c'est pour ça qu'il arrive pas. Tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes. Et le crochet, il se met pas dans le bon sens. Bon, attends, on va l'accrocher, ça va être plus. Merde. De la totof à la gambarde. Et les enfants, il est 23h. Vous savez ce qu'il va y avoir dehors? Oui, feu d'artifice. On va faire le feu d'artifice. D'artifice. Et nous, on fait une soirée cinéma. Ouais, soirée cinéma. Soirée pyjama. C'est quoi ça? Croque-mou. Croque-mou? Ouais, mais là, il va falloir mettre pause pour le feu d'artifice. Et on a appelé ça soirée pyjama. Soirée pyjama? Nickel. Allez, il est minuit. J'étais en train de regarder les messages que j'ai eu sur ma vidéo que j'ai sorti pour la bonne année. Hey, j'en ai ma petite larme parce que. Attends. Un message plein d'amour que j'ai fait dans cette vidéo, voilà. Il y a plein de subtilités, comme j'ai lu un commentaire qui disait on est au bord de la falaise, prêt à faire le pas pour une nouvelle vie. Voilà. Allez, on va partager avec les potes dehors. Il y a les gamins qui s'éclatent. Bonne année.
Bonne année, ma chérie. Allez, on va aller dire bonne année aux potes dehors. Bien sûr, avec un petit pastag à la famille. Allez, on va aller voir les potos. Je coupe pour dire bonne année à tous les potos, un petit moment intime quoi, tranquillou. Bonne année mon père. Bonne année mon fils. Bonne année. Bonne année le frère. Ouais. Allez, champagne. Attention, nous sommes en présence ce soir du cracheur de feu prénommé Dion. Attention, écartez-vous les enfants, c'est pas pour les marmots tout ça. C'est parti. Oh là 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 là. Ça va? Il est en forme. Te brûle pas trop la bouche. Ouais ouais. Fais pas le con quand même. Oh, bravo Dylan. D'après toi, il est où le tableau? La soirée continue sur une improvisation de percu, de jonglage. Jonglage du feu, tout ça. Franchement, bonne ambiance, super soirée. Deux engins même, il y en a une autre derrière. Et il y a encore une voiture. Là, il tire la Smart. D'ailleurs, je connais pas ce principe-là. Il y a un quad derrière. Attends, je vais filmer devant. Papa, il y a un quad derrière. Regardez un peu l'engin de ouf. Regarde celui qui arrive encore. Ouais. Avec la Smart. Ça, c'est pratique, ça. Quoi? Le? Ouais, on va refaire des frites, ouais. Regarde le camion, il a un gros quad. Ouais. Le quad, il est stylé. Bah attends, j'attends qu'il passe. Sacré engin, hein. Bon, voilà, on se réveille du 1er janvier. J'ai la voix cassée, on a crié, on a crié. Et puis, bah, j'ai toujours ma super tronche de punk à chien. Ne vous inquiétez pas, je vais laver tout ça. C'était pour le délire. Ouais, ouais, c'est énorme les trucs. Bon, c'est, du coup, on se fait des petits hamburgers là. On n'a pas déjeuné, mais ça sera le petit déj. En fait, on a la dalle, on a la dalle. C'est vraiment une super soirée, franchement. J'ai trop aimé les petits feux d'artifice là. Enfin, les petits. Sympa les feux d'artifice. Et puis, bah voilà, des gens bien sympas. On a fait des gros câlins à tout le monde, c'était cool. Hein, chérie? Ouais. Un jour de l'an nomade, bien sympa. Alors là, on va se faire une petite journée tranquillou. Hein. C'est le deuxième, pape. Allez, bisous, bisous. Bon. En plus, ouais. Je suis en train de voir, excusez-moi, je suis en train de finir mon burger. Je suis en train de voir dehors les gamins là-bas, là, au bord de la route. J'ai oublié de vous filmer ça hier. Les gamins, ils ont fait un... Ils ont pris tous les... Alors, ils sont cool, ils sont bien. Ils ont pris tous les fruits et légumes que le gars nous ramène, là. Et ils se sont fait un stand de vente de fruits et légumes à prix libre. Je vais vous montrer ça. Voilà. Bon alors, ça marche votre stand de fruits et légumes prix libre? Hein? Vous êtes installé? Ah ouais! Vous avez vendu des trucs? Bah attention, ouais. Celle-là va tomber, regarde. C'est où mon hamburger? Et vous avez pas mis de panneau? Bah, le chien, c'est hein? Tombé dans le trou là, et le chien l'a mangé. Lily? Vous avez pas mis de... Vous avez pas mis de panneau? Panneau? Bah... Alors, faut faire un petit carton. Oui, mais ça marche pas parce que c'est écrit en français. Ah bah, faut écrire en espagnol. Je sais pas comment on écrit. Ah bah, faut demander, et puis on... Il y en a qui vont te le dire. Tout simplement. Ah ouais, faudra faire, faire un petit carton. Hein? Hein, Elliot? Faudra faire un petit carton. Bon, bah, du coup, c'est reparti pour une petite tournée de frites, hein. Comme il en restait pas mal. Encore un bon... quelques kilos. Pas mal de kilos, même. Voilà, on va se réveiller tranquillement à la frite. Sous le soleil. Bon, en ce 1er janvier, on est tous un peu claqués, hein, comme je disais, on a regardé la télé. On vient de regarder la boum, faut le faire. Maman. Eh ben, les gamins, ils ont trouvé une valise aux poubelles, avec plein de fringues dedans. Liam, il est déguisé en je sais pas quoi, là. On croirait Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski. Ah, voilà. Un pull pour Jojo. Ils ont trouvé plein de fringues.
Une grosse valise avec plein de fringues. Oh, il y a de la poussière dans votre truc. On n'a pas tout pris, Paps. Ouais, mais après on va faire le tri puis on remettra. Hein. Comme d'habitude. Pourquoi t'embarques tous les pantalons, toi? Ah non, il y en a là-dedans, parce que c'est pour ma mère, il y a des grandes tailles. Non, ah. Bon. Non, mais on n'allait pas les prendre, t'inquiète. Mais non, mais je te jure, c'est vrai. Hein. Mais je te crois, on te croit. Bon, aujourd'hui, encore un peu, on flémarde encore un peu. Hein. C'est encore le surlendemain de fête, du coup, on flémarde un peu, on bricole un peu, on range le camp. On finit les dernières tournées de frites, parce que... On avait fait tellement la dose qu'il faut les manger, hein, on va pas les laisser perdre. Alors c'est bien sur les vidéos, vous devez voir que des frites en ce moment. Frites. Ça bricole un peu. Nadia travaille sur des commandes. Ah bah là, elle est plus là. Oh bah il est tout flou, mon. Attends. Hop. Les enfants, qu'est-ce qu'ils s'occupent à quoi? De coloriage. Des coloriages? Et toi, Eliott, tu fais quoi? Coloriage aussi. Bah laisse-le parler, il sait parler, Eliott. Oui. Tu fais quoi, des coloriages, Eliott? Oui. Ah, c'est bien. Et mon Jojo aussi? Il fait quoi, Jojo? Bah, si, les coloriages aussi. Bon, bah voilà, petite journée tranquille. Alors, on a un beau soleil, comme vous pouvez voir, mais beaucoup de vent, ouais. On a un vent frais qui... Ça calme. Mais bon, c'est comme ça, c'est quand même mieux qu'en France, hein, de toute façon. Donc, on n'a pas à se plaindre, et on se plaint pas, du coup. Allez, Wally, quoi? La boîte de clé, laquelle? Allez, je continue mes frites. À plus dans le bus. Oh, nouvelle coupe pour la nénette, là, hein. Bah ouais, parce que ras-le-bol des poux, hein, faut trouver une solution. Alors, bah là, on voit pas, mais en fait, elle est passée dans le groupe des coupes punk. Voilà, bah on vous montrera ça après. Heureusement, on a une superbe coiffeuse qui nous fait ça, ouais, c'est parce cool. Que Léa et moi, on avait essayé, mais ouais. On a fait un peu le carnage. Bon, Audrey, en même temps, c'est son métier, hein, donc quelque part, ça aide. Et puis, Eliott, il a dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Quelle était? Ouais, mais t'as dit quoi tout à l'heure? Il a dit Lily, elle est très jolie. Il a dit elle est belle en plus comme ça. Bon, bah alors, il y a l'aval d'Eliott, donc c'est bon, impeccable. Au début, elle voulait pas Lily, hein. Voilà, en même temps, elle a fait les petites pointes, quoi. Voilà, comme ça, ça s'emmêlera moins facilement. Bah oui, hein. Faut trouver une solution pour ces poux, il y en a marre. Bon, on y arrive, petit à petit. Bon, faut faire la même à Jojo maintenant. Bah, demain, je pense que moi, je vais faire. Bah, ouais. Le séjour. Oh là, elle a le droit à sa frite comme récompense. Ah, ouais, attends. Pour mettre un petit peu de graillon dans les cheveux. Mmh. Ouais, c'est ça. Bon, mine de rien, on commence à devenir frileux. À force de vivre au soleil, on commence à être frileux. Alors, on a allumé un petit poêle à bois. On a allumé le poêle. Eh ouais, pourquoi? Parce qu'il fait 18 dans le bus. Je vous montre ça, voilà. Il fait 18 dans le bus, mais bon. Dehors, ça caille un peu, là. Il y a une petite vague de froid qui est arrivée. Il y a des courageux qui sont au feu. Alors, je les ai invités dans le bus, hein, mais bon, tout le monde n'ose pas venir. Et puis, on n'a plus trop de bois, donc voilà. Donc, allez, on s'allume un petit peu, un petit feu. Puis, j'avoue que c'est aussi pour le plaisir de mettre le poêle en route, comme on ne l'allume jamais. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc voilà, je pense que dans pas longtemps, il va faire 26 dans le bus. Ça fait plaisir au poêle à bois. Ça fait plaisir au poêle à bois, comme ça il tourne un peu. Jojo mange une petite clémentine que nous donne toujours le monsieur, là, avec son 4x4, super gentil. Et faut que je vous montre, du coup, la coupe de Lily, la nouvelle coupe viking anti-poux. Je vous montrerai ça dès qu'elle sera là. Ah. Il y a un petit bruit là, il n'allait pas trop. Ça. Mais si, c'est pile dans le ton. Ah. J'ai fait exprès de dire ce que nous interprétons, parce que je veux justifier ça. Au moins j'aurai le droit une fois à Seb avec son accordéon. Allez dans Obélix. Oh, ça c'est bon ça. Yeah. Yo.
You. D'accordéon privé pour Elliot. Attention, ça rigole pas. Et quand tu remontes, ça coupe le son. Tu vois, si tu fais ça. Mais sur le frisbee. Alors j'étais en train de faire une grosse tambouille et regardez qui c'est qui arrive. Mon petit pasty, sois pop. Mets des chaussures. Hé hé. Hey, hey. Les potos, la famille. Rencontrer le fameux petit pasty. Ah, des gens en or. Mais il a tenu son vieux comme tarle. Dis donc, il a tenu le merco. Wouh. Ah, les frangins, ça fait du bien. Ça. Mais il roule, hein. Plaisir de te voir, ma gueule. Oh, les potos, attends, j'arrive, attends, je vais faire un vrai câlin. Attends, je vais lâcher mon téléphone. Mon petit Marco, ça fait plaisir. Les potos, là, putain, bande de lâcheurs. Voilà, voilà, c'est reparti pour les grosses tambouilles, du chou, des oignons, des épices, la famille, des potos, ça épluche, ça prépare, et c'est ça qui est bon. Le petit pastis qui est arrivé, enfin, depuis le temps qu'on l'arrivait celui-là. Depuis le temps qu'on l'attendait. Non, non, mais c'est bien. Il est enfin arrivé. Moi, j'aime bien quand on me rêve. Ah, mais carrément. Mais pourquoi il y a que les mecs qui rêvent de moi, ce chien ? Toutes les nuits, je rêvais de toi, mon père. Ah, ben, ouais, je suis là, mon père, maintenant. J'espère que t'as suivi les vidéos, au moins. Ouais. Ah. La dernière, il y avait un peu d'artifice. C'est ce que je me donne comme excuse.
Regardez-moi ça, un peu des talents de cuisinier. Ah merde, il a fini, bordel. Ça, c'est de l'éminçage. Ça suffit ou il y a encore plus? Non, ça va aller. Ça va aller. Alors ça. Allez, c'est parti. Après la Lily qui s'est fait raser la Viking, maintenant c'est au père Jojo. Et je pense que un jour, on va se débarrasser de ces poulouloux. Tu sais comment fait bien le petit rond là, tout propre. Ah. C'est un métier tout ça. Du coup, est-ce que ça avance avec Lily? Mais non, c'est pas Lily, c'est Bellicio. Oh la blague, oh la super blague que j'ai fait. Donc ça y est, il est rasouillé. Voilà, pareil que Lily. Et dehors, il y a un deuxième salon de coiffure improvisé qui est en route. Le salon de Camille. Alors c'est parti. On va aller voir Camille où. Oh les punks à chiens là, on peut passer ou quoi? Merde. Donc la tambouille, ça commence à cuire. Là on a rajouté du riz, on a remis un peu d'eau pour faire cuire le riz dedans directement. Ça va être nickel. Et là du coup, il y a une petite séance de reprise de dread. Hein. Je sais pas comment on appelle ça dans le jargon. Retape de racines. Retape de racines. Oh là là là. L'entretien de la base des cheveux. Voilà. Et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, en termes d'entretien, de racines, de création de dreadlocks et fabrication d'ateba aussi, voilà, faire également. Tout ce qui touche à la dread, quoi, on va dire, voilà, quelque part. À la dread et au reggae music. Au ragamuffin. Dans la bonne énergie. Et bah, contactez Camillou, il se fera un plaisir de se déplacer avec son petit camtar. Et puis voilà, du coup, les mobiles. Donc il n'y a pas de souci, il peut aller vous voir. Pour les projets, et puis bah voilà, ça va faire un petit peu son taf. Voilà, si vous avez le taf nomade. Je suis là. Alors il fait ça super bien, en plus c'est un mec qui est patient, plein d'amour, et c'est ça qui est cool. Donc vous le contactez tout simplement sur sa page qui est ici. Donc il s'appelle, oh là là, Simba Dread, mais avec des H, des accents bizarres, bon bref. Vous allez voir ça, vous checkez tout ça, donc ça c'est Facebook. C'est Facebook, ouais. Et t'as peut-être un Insta ou non ? Instagram aussi. Et c'est la même chose ? C'est le même nom ? Dreadlocks Nomad. Dreadlocks Nomad sur Insta. Voilà. Vous le contactez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et puis vous discutez avec lui, vous démerdez, quoi, en gros. Libre en accès sur et puis si, voilà, si ça peut lui faire quelques petits dollars pour la route. Exactement. C'est impeccable. Pour les rencontres, pour le partage et puis pour le plaisir avant tout, quoi. Bah exactement. Voilà. Bah ouais, parce qu'en plus il prend pas cher, il est, voilà, il est en mode cool. Hein. Mode, voilà. Bon, en mode tranquillou. Un bas tarif et puis. Ouais. D'ailleurs, toi nous, va falloir que tu lâches le billet. Hein. Ouais, c'est parce que c'est un poteau que. Non, va. Non. Ça non, va, non. Je vais me barrer avant qu'il finisse. Moi, je paye pas. Il avait refait les dreads de Léa, je me rappelle à l'époque, on s'est connus. Il avait mis. Qu'est-ce que j'ai dit? De mémoire, combien? 10 heures pour refaire ses dreads là, en mode ses cheveux en mode queue de castor, je sais pas quoi. Et en plus il fait les kebabs. C'est toi qui lui as fait. Ouais. Regarde les queues de castor. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à le contacter sur son, hein, vous avez vu le truc. Nous on va continuer à kiffer tous ensemble avec un beau coucher de soleil qui arrive, une bonne grosse gamelle, des poteaux. Il y a plus de bois, malheureusement il y a plus de bois. Là-bas il y a les gamins qui sont à la peinture. On va aller voir ça avec des nouveaux arrivés. Bah, il y a Emeline avec merde, j'ai un trou de mémoire. Emeline qui est venue avec Perrine. Perrine. Oui, et Paco. Et là, il y a un atelier peinture, oui, du coup, qui s'est fait. Bah ça, les gamins, ils kiffent. Hein, Lily, c'est bien? Ah ouais, la peinture. C'est de la peinture fluo, colorée, paillettes et tout, c'est crasse et paillettes, gros. T'as son peinture, franchement, les gamins, ils kiffent. Bon, bah c'est cool. Merci pour l'atelier. À part les bombes, tout vient de la poubelle. Mais bah tant mieux, de la récup c'est le mieux. Tout vient de la poubelle. Tout vient de la poubelle, c'est ça qui est bon. Au moins c'est pas gâché. Et les gamins s'amusent. Bah, avec un beau coucher de soleil en bord de mer. Non mais ça c'est pas le meilleur atelier. En bord de mer, franchement. La classe. En vrai de ces gens, c'est ouf. Alors Lily, elle va nous faire un soleil. Wouh. Ah, ça sort pas? Ah, t'as coulé la cape, ce petit soir, je pense. On va t'en mettre une autre. Oula, on va t'en mettre une autre, regarde, viens avec moi. Là, je pense que t'as coulé la cape, je vais t'apprendre. Genre, quand tu utilises une cape, il faut d'abord, donc du coup, tu secoues la bombe pour avoir la peinture. Attends, faudrait qu'on mette des petits cailloux. Après, tiens. Tire, ça pousse comme ça. Regarde-moi, Lily, regarde-moi. Quand t'as fini d'utiliser la pousse, tu fais 3 secondes à l'envers, comme ça, ça ah, ça vide l'air, ouais. Ah, bah voilà, nickel.
parce qu'en plus, sincèrement, je l'ai fait peindre à plat, alors que normalement, ça m'a fait pour. Ouais, c'est ça, on s'en fout. Pas pouvoir aller jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Tiens, on va mettre des petits cailloux comme ça, il va pas s'envoler le bordel. Bon, voilà ce que ça donne une fois qu'on revient de l'eau. Alors, attention la gamelle. Franchement, ça a l'air super bon. Il y a au moins 15 kilos de bouffe. C'est super lourd. Eh ben, on va se régaler. Et on va dire que c'est un repas quasiment gratuit. 15 kilos de bouffe, tranquille, gratuit. Juste la récup de légumes, voilà, puis quelques épices. Et c'est parfait. Allez, bon app. Bon bah ce soir c'est apéro chez Petit Pastis. Hein. On est un peu en retard. Salut mon père. C'est Petit Pastis. Mais on est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans une mairie. Il faut le 9 et demi. C'est dans Toto. Ouais. La prochaine fois je jette la Fiat 500. Il y aura moins de place. Il manquera une personne. Ça on peut c'est moins trafiqué. On est 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah je me comptais pas. Bah voilà. Faut te compter. Alors nous allons assister aujourd'hui à tour de magie. Non, il a dit qu'il faut pas qu'il. Oh, si, si, vas-y. Mais papa, tu fais pas les envies. Nous allons assister à une expérience. Il y a pas de lumière, maman. Ah bah attends, je mets de là. Bon, nous allons assister à une expérience. Phénoménale. Du maître, du très grand Fifi. Alias Tipastis. Donc il met du Ricard dans un verre. Ça on connaît. Jusque là on connaît. Avec une dose normale. Vas-y, mets de l'eau. De l'eau. De l'eau. Bah, t'en as là, de l'eau. De l'eau, je te mets dans la bouteille. Dans la bouteille. Non, pas celui-là. De l'eau. Je m'en doute. Je sens bien le truc. Oh putain, ça va être une. Il y en a un qui va prendre un verre dans un. Non, tu me dis stop. Tu me dis stop, ok. Vas-y. Non, je te jure. Dis-moi stop. Alors là, on met de l'eau dans le verre. Paris, c'est bon. Paris, c'est bon. Alors attention, l'expérience. Maintenant, je t'enlève le pastis, il restera que de l'eau. D'accord. On est d'accord ? Donc, il va retirer le pastis. Tu vois ? Roulement de tambour ! Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Bah, tu regardes, le pastis, il va. Ça va déborder ? Non, non. Non, mais c'est vrai, en plus. Bah oui. Regarde, le pastis, ouais, ça marche vraiment. Le pastis, si. Il monte dans la bouteille. Regarde, il monte dans la bouteille. Waouh ! Waouh ! Fifi, président ! Fifi, président ! Alors, première règle. Obligatoire tous les soirs apéro. Apéro. Okay. Mais c'est pas en plus, regarde ça, tu le vois monter. Ah ouais, regarde, il y a de l'eau. Hein. Mais ça s'enlève, mais c'est un truc de fou. Ouais. Dis donc, c'est toi qui le quoi dans ta bouteille. Alors voilà la fin des. Oh là là. Donc on a bien vu quand même que le Ricard montait dans la bouteille, que l'eau remplaçait le Ricard dans le verre, mais bon. C'est pas assez franc. Hein. Voilà, il faut que le verre soit vraiment plein d'eau. Moi, mon expérience, elle est beaucoup plus impressionnante. Merci, comment il s'appelle ? Oh là là, comment il pique la vedette. Oh, oui, alors ne bougez pas, je vais aller chercher de quoi faire la deuxième expérience. Vous allez flipper. Oh. Attention. Allez, nouvelle expérience. Je filme. Allez, vas-y. Nouvelle expérience. Mesdames et messieurs, en ce jour du je sais pas combien janvier, nous allons faire une expérience formidable. Pourquoi j'y ai venu, putain? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, Vous avez devant vous un verre de pastis, qui est tout à fait normal, de la marque Ricard, avec de l'eau. Et un pastis normal. Et un dos du Gaulois. Je vais vous transformer ce verre de Ricard en un verre d'eau pure. Et t'as vu la gueule de tout à l'heure? Grâce à mon produit magique, que je ne vous dirai pas ce que c'est. Nous mélangeons. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Roulement de tambour. Regardez ça. Attention. Exceptionnel. Mon assistante, Dia, peux-tu mélanger ce verre, s'il te plaît, avec ton bâton? Avec ta baguette magique. Voilà. Allez, on mélange. Exceptionnel. Ça goûte cher des conneries, merde. T'as mis quoi dedans? Bon, tu peux couper. Bon, une petite réparation ce matin, hein, le câble d'accélérateur du camion de Léa, le C25 a lâché. C'est le petit Vitonio. Vous l'avez l'ancien Vitonio ou pas, non?
Dylan, il l'avait. Ouais, attends. Voilà, ce petit bordel-là qui a pété. Vous voyez bien qu'ici, il est pété. Donc moi, je l'ai repercé pour pouvoir le renclicter dans une petite boule qui est juste là. Hop. Vous allez voir, à cet endroit même, la petite boule qui est au bout de mon doigt, ça, ça s'enclique en fait dans le rond qui est cassé ici. D'ailleurs, le nouveau, il doit être dans le coin. Je crois que tu l'as là. Ouais. Non, c'est Dylan aussi qui l'a. Ah, c'est Dylan aussi qui a tout. Voilà, le nouveau, il est comme ça. Là, on le voit bien. Donc voilà, le rond s'enclique là-dedans avec une petite, sûrement un petit clips pour le tenir. Tout simplement. Donc on va changer carrément tout le câble. On l'a sorti d'ici, vous voyez, de la pédale. Et là, on va changer entièrement. 31 euros le câble, ça va, c'est pas non plus la mort. Hein. Y a pire. Bon, les enfants avec Emmeline ont pris l'initiative d'aller décorer ce beau petit tunnel. Nous allons voir ce qu'ils ont fait de beau. Attention, on va exploser la bombe. Non, 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 oh, calmons cela. On va exploser. Alors, alors. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce joli tunnel maintenant? Mélie Jo, il a écrit son nom. Avec des yeux, un bonhomme. Il y a un beau palmier. Jonah. Il y a une belle tête. Moi, je fais un escargot. T'as fait un escargot, là, celui-là? Ouais. Un beau escargot de Jojo. Ouais, il est bien. Il est sympa. Ah, ils ont mis leur petit masque hein, pour faire la peinture. Et puis, il y a le fantôme. Ah, voilà, décorer un petit peu ce grand tunnel. Alors, c'est un tunnel qui est immense, 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 immense. Il fait 500 mètres de longueur, il est vachement grand. Articulo Tango, je sais même pas ce que c'est écrit. Hein. Bref, Liam, avec le, il a fait le A de l'anarchie, non mais sérieux. Ah oui, parce que d'ailleurs, tiens, ça c'est une bonne interrogation. Connaissez-vous la vraie définition de l'anarchie? Ah ah, c'est pas du tout celle qu'on croit. L'anarchie, pour moi, c'est une société qui fonctionne avec l'absence de chef, tout simplement. Voilà, ça y est, c'est réparé pour 30 euros. Un câble d'accélérateur tout neuf. Impeccable. Tiens, j'étais en train de faire des envois d'autocollants, hein, parce que depuis le temps que je devais les envoyer, je le faisais pas. Et puis là-bas, on peut se rendre compte qu'il y a une entreprise de nettoyage qui s'est mise en route avec Audrey, Alex et les gamins. Ils sont en train de ramasser tout, pas des papiers, sûrement, enfin tous les déchets qui traînent. Un petit peu comme faisait Lovica dans certaines de nos vidéos, vous avez pu voir ça. Ah ben c'est cool. Ah oh, les bouteilles, il y en a qui traînent de la merde. Il y en a un peu partout. Ben nous on est toujours en attente de Minouche avant de bouger de spot. Donc on sait pas combien de jours encore il va nous faire traîner celui-là. C'est pas possible. Boule d'air. Et on a notre pote là. Je sais pas où tu l'as mis le gâteau. Ah ouais, au frigo. Ouais. Notre pote qui nous donne des fruits et légumes. Il nous a ramené la galette des rois espagnole qui est comme ça. Alors voilà, c'est un truc comme ça avec des. Alors les fruits confits comme ça, moi je suis pas trop fan, mais à l'intérieur il y a une crème chocolat. Elle est où? Alors on la voit. Voilà, une crème chocolat là. Mais il nous a ramené ça. Il est trop cool. Il nous ramène plein de trucs. Bah c'est sympa. On va manger ça avec les potes sur le camp. Pendant que ça, on est encore en train de préparer des envois de plein de trucs. Être après encore. Voilà, voilà. Voilà. Comme vous avez dit, on a baissé un petit peu le rythme. Puis elle reprendra de plus belle enfance, ce sera plus simple ou pas, on verra. Ouais, parce que là j'ai quand même un attrape-rêve. Oui. 25 Attends. Euros de frais de port qui a été perdu, donc ça fout un peu les boules, et puis bah, plus le boulot, parce que c'est un attrape-rêve de 60 cm avec les chakras. Donc ouais. Bah ouais, ça me décourage un peu, de, parce que là maintenant pour se faire. Comment on dit rembourser non, ouais, enfin faire un truc de litige en Espagne, ouais, ouais. Ça va pas le faire quoi, donc. Ouais, mais après sur la totalité, bon, il n'y a pas eu non, trop ça de. Pas souvent, mais bon, ça décourage quand ça. Ça décourage un peu, puis là, t'en avais surtout un peu marre, quoi. Ouais, ouais, j'ai envie de profiter un petit peu. Voilà, voilà, bah, ça reprendra après. Pas de soucis. Joyeux anniversaire, Tata Véro. Joyeux anniversaire, grande sœur. Joyeux anniversaire, Tata Véro. Joyeux anniversaire d'Espagne. Voilà. Bon, on a essayé de regrouper tout le monde. Ouais. Il manque Lily et Liam. Ils essayent de te faire un petit message après, mais on a. Ouais. C'est dur d'avoir tout le monde en même temps, là.
Bah, gros bisous d'Espagne, et puis bisous. Bah, kiffez votre racine. Ah ouais, on pense fort à vous, et puis. On est loin, mais bon. Courage dans votre froid. Ouais. Allez, bye bye. Ciao la famille. À plus. Tous. On vient cet été. Bon, petite soirée Into the Wild. Bon, on regarde en même temps, voilà. On vit en même temps. Mano nous fait une découpe de poulet, hein, bon. Ça pue la mort. Oh, ça pue rien du tout. Les enfants sont en mode concombre nature, ça c'est bon ça. Ça c'est bien ça. Ça mange du concombre nature. Ouais, mais j'en mange plus tout à l'heure, ils sont très bons, ouais. Voilà, c'est en mode concombre nature. Les gens qui regardent la vidéo ont mangé. Ouais. Ça, bah, fini le reste des pommes de terre cramées de la gamelle. Ouais, mais ouais, c'est un bon. Un petit peu de fromage de David. Nickel. Le petit bout de cramé. Et là, on a sorti la grosse gamelle pour faire cuire le poulet. Voilà. Pour la suite des événements. Alors là, je pense que comme on a déjà allumé le poêle à bois là-bas, on voit pas. Plus la gamelle qui est là, il va faire peut-être 45 degrés dans le ventre. C'est normal que vous l'avez. Oui, ouais, c'est normal. Et par contre, faites gaffe en la ramenant au plastique là. Papa, oui, t'as fait quoi? Regarde, tour de magie. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Super, ouais, bravo! Excellent. Le squat. Bon, aujourd'hui, on se réveille tranquillement. Encore une nouvelle journée sous le soleil, non, pas trop. Et aujourd'hui, je vais dire au revoir à mon poteau, le Belge, mon petit Juan. Non, peut-être. Qui est un mec super gentil. Yes. Je ne vous l'ai pas trop présenté, on voit rien, j'ai pas mis la luminosité. C'est un mec qui se balade en vélo. Voilà. Donc là, t'as fait quoi déjà, Belgique? Oui, Espagne, tu m'as expliqué Portugal. Espagne, Portugal, tout ça. Et là, je remonte. Vous avez déjà vu dans les vidéos un des gars en vélo, bah encore un autre. Et lui, ouais. C'est un mec bien sympatoche. Ouais, moi, je. Yes. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, mon père. Ah oui. C'est encore un Belge, alors on parle beaucoup comme ça. Le monde est petit, hein. Je vais vous montrer son bicycle. Donc voilà son vélo. Donc on aura passé combien de temps? Combien de temps t'es resté avec nous? Une bonne semaine, il est resté une bonne semaine avec nous. Et bah en fait, il a pris un an pour décrocher un peu du système. Et puis bah pour voyager, on va dire, le plus minimaliste possible. Donc bah là, voilà, en vélo, le petit Juan. Et bah il se promène comme il a fait, comme je vous ai dit, comme on vient de dire juste avant. Il a fait déjà le Portugal, l'Espagne, tout ça. Je crois qu'il voulait faire le Maroc et tout, mais bon, bah voilà, encore une fois, c'est fermé avec le Covid. Donc bah c'est pas possible. Donc là, je sais même pas quel périple il fait après. C'est quoi la suite du voyage? Tu remontes en Belgique, c'est ça? Je remonte, je vais en Italie. Ah oui, c'est vrai, il me l'a dit, j'avais déjà oublié. Italie. Donc là, il va se faire l'Italie, puis bah, un peu, du coup, un peu là-haut, puis il remonte en Belgique, c'est ça? Ouais, ouais. Voilà. Puis après, reprendre sa vie normale. Exactement, normale. C'est ça. Et dans sa tête, ça va tourner. Un an de voyage comme ça, oh là là, ça va tourner. Et bah, c'est cool. Belle rencontre. Bon courage pour la remontée. Merci. Et puis, bah, on se reverra, ma poule, c'est obligé. Toujours. Quand t'auras ton camtar. Ouais, là c'est moi je me filme, les petits chats. Alors, la famille qui remballe tout, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, il faut remballer quand même. Là, on fait le tri dans les malles, parce que même dans un bus, on arrive à avoir beaucoup trop de choses. De choses inutiles. Donc, on fait le tri, on vire, et puis ben, on va du coup optimiser les malles au mieux. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Toi, tu fais quoi? Bah, rien. Rien? T'aides pas les parents? Bah non. Ah oh bah non, j'aime pas les parents. Je pense pas qu'ils vont vouloir. Il y a garde une malle, chérie, pour mettre. Bah ça, je pense que ça le fait encore. Hein. Ah chérie, dans une malle si. Ouverte. Bah après on verra. Les essaye pour voir s'il y a de bon, savoir si on les garde. Ouais bah jette. Minouche est revenu. Minouche est revenu. Minouche. Faites du bruit pour Minouche. Les Gaulois. Pompez-la. Vive le roi Minouche. On va pouvoir enfin décaler. Tu vois, n'empêche qu'un con de chat, il décide. Il était pas de plein de monde. Qui part ou veut. Un truc d'ouf. Ça a le bête. Qu'est-ce que tu veux, Minouche, à miauler ce matin? Bon, on a enfin retrouvé Minouche après 4 jours, 5 jours? C'est ça? 5 jours, 4-5 jours, quoi. Ouais, 5 jours. Et d'ailleurs, je remercie les gens où est-ce qu'on va charger en eau. Il y a un Allemand, tout ça, qu'on a bien sympathisé.
Et on leur avait dit qu'on avait perdu. Les gamins étaient partis en vélo, dire un peu à tout le monde qu'on cherchait Minouche, un chat et tout le bordel. Et au final, c'est eux qui nous l'ont ramené hier soir. Super gentil. Ils traînaient là-bas, il y avait des femelles, donc du coup, ils faisaient sa vie. Ça va, tranquillou. Alors, aujourd'hui, c'était annoncé. C'est la pluie. Alors, vous vous rappelez, c'est le spot où on était ici. On était carrément sous la flotte avec les lovicars et tout, là. Dans les marécages. Donc là, c'est carrément, franchement, un sale temps. De toute façon, là, c'est prévu comme ça partout. Enfin, partout. Sur toute la côte en Espagne. Donc, on a juste à attendre 3-4 jours. Hein. Faut pas rêver non plus. On va pas avoir toute l'année que du soleil. Hein. Donc là, il y a 3-4 jours de pluie. C'est comme ça. On va bouger, du coup, maintenant qu'on a Minouche. Les autres ont commencé à bouger. Antoine, tout ça, il y en a plein qui sont partis. Et on se retrouve un peu plus bas. Les projets, vous savez pas, il y en a. Vous savez, il y en a jamais. Donc, on va dire qu'éventuellement, comme projet, on a de faire éventuellement Las Negras, passer à Las Negras, passer Las Negras, et puis après, on va aller vers Maro. Vous vous rappelez l'année dernière, les avocats. Oui, voilà, voilà. Minouche. Allez, on va donner un petit pâté à Minouche. Il va être content. Et puis, on va aller prendre le petit café chez Carpe Diem. C'est la petite tradition. Non, il y a... Papa, hein? Non, tu vas pas aller chez Carpe Diem. Ouais. Quoi? Papa, pâté pour chat. Je vais rester sous la couette. Pâté pour chat. C'est pas beau. Non. Pas venu en Espagne pour souffrir. Ok. Ah là là, sacré Nadia. Bon, du coup, vu qu'il fait froid, on en profite pour allumer un petit poêle à bois. Ça fait du bien. Et ce qui est génial, c'est qu'on chauffe Obélix avec 3 bouts de bois qui traînent par-ci, par-là. Et puis, c'est impeccable. Parce que là, ce matin, il faisait combien? On va aller voir ça. Alors, monsieur le thermomètre, il fait 14 degrés, 13, 14. Non, Obélix. Donc ça caillote un peu. Bon, ça n'empêche pas de dormir avec un bon duvet. Il n'y a pas de souci. Oh, Iris, ça trempe toujours. Alors, mais alors, elle, le chien de salon. On va l'appeler le chien de salon. Il est content, hein, à manger son pâté. Allez, 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 allez. Café, café chez Carpe Diem. Regardez un peu si les Carpe Diem, ils ont pas un super jardin ce matin. Franchement, vous devez être à quoi? Allez, je vais pas, je vais essayer de pas faire mon Marseillais. 1, 2, non, pas 3 mètres. 4. Plus. 1, 2, 3, 4. Allez, 4-5 mètres de la mer. C'est pas beau ça? Avec des belles vagues. Être bercé par le bruit des vagues. Ouais. Ouais, des fois, craque, t'es pas bercé. Ouais, des fois, pourrait fermer un peu leur gueule, les vagues. Non, mais c'est quand même, faut prendre conscience de tous ces beaux jardins qu'on a tous les matins, quand même. Ah, c'est un plaisir de venir si... en bord de l'eau. Ouais, même s'il fait pas beau. Mais bon, il faut bien quelque part qu'il y ait un petit peu de pluie, des fois. Hein. Et de la neige. Et de la neige pour certains. Ouais. Bon, voilà dans quelle merde on est. Voilà ce que ça donne. Alors, on va voir si les camping-cars arrivent à sortir parce que. Ça risque de patiner à ces endroits-là. Ah ben j'ai démarré au quart de tour, au quart. Ah ouais. Et on va attendre que tous les camions soient sortis avant de partir, parce que s'il y a besoin de sangle ou de pousser, voilà. C'est comme ça, la solidarité. Camille, une gamelle. Camille, une gamelle. Camille. Les drettes dans la boue. Les drettes dans la gadoue. Bon, j'ai pas pu filmer, mais heureusement, la force du nombre, ça fait tout. L'union fait la force. L'union fait la force. On a poussé son camping-car à 6-7 facile. Ouais, facile. On a réussi à la sortir, mais c'est dommage qu'on l'a pas filmé. Ouais, franchement. Regardez le carnage. Là, c'est ce qu'on vient de réussir à la pousser de là-bas. Là, elle est sur le dur, maintenant c'est bon, elle est sauvée. Là. Elle est sauvée. Maintenant, on va sortir Seb. Et puis après, on va sortir Toto. Ah bah, faut tout le monde se mettre sur le dur avant qu'on parte. Bah, il va pas aller jusqu'à là-bas. Et on va voir si Toto il sort. Audrey, elle a trouvé une super technique pour aller pied au sec. Wouh, fashion, fashion. Ah, ça patine. Allez, on y va, go, 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 go. Oh, putain, je me pète la gueule. Allez, 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 allez. Oh, facile, trop facile.
Oh, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça va être plus drôle, ça. Hein. Bah, t'es entre propulsion, ça va. Et si je le filme. Vas-y, continue, ça y va.